aussi fait peur. Et c'est un coup d'État contre les classes populaires. Parce que je suis allée en juillet au Brésil et j'ai vu ce qui se passe. Petit à petit, la montée du racisme, l'homophobie, la haine qui sont cultivées dans ce pays qu'est le Brésil, cette grande démocratie. Et j'ai vu aussi des femmes et des hommes et beaucoup de jeunes d'associations féministes LGBT pour la démocratie dans les favelas qui s'élèvent depuis juillet contre cette peste noire. Et je veux dire ici que notre solidarité de communistes, de progressistes, de toute sensibilité, elle est essentielle. Alors, je veux dénoncer pour ne pas être plus longue et je veux attirer votre attention sur le fait qu'en France, il y a maintenant quelques années, on a vécu cette droite, cette extrême droite qui préférait finalement Hitler au Front Populaire. Et bien c'est ce qui se passe au Brésil et il ne faut pas les laisser passer. Voilà. Merci Laurence. On va suivre un certain nombre de...